Alors, en tant qu'enfant, moi, je suis très marqué quand même par la campagne de Maché. J'ai toujours vécu là-bas. Ma famille est vraiment originaire de cette commune. Ils sont enterrés là-bas, pour les plus anciens. Et j'ai été très marqué surtout par les paysages, le voisinage. Voilà, j'ai un attachement particulier à cette terre, alors qui se manifeste par mon goût du jardinage, de la cuisine, du patois aussi local. Que je pratiquais dans une troupe de théâtre du coin. Donc voilà, c'est la première chose quoi, c'est des racines quoi, la première chose. Après, au niveau de mon enracinement chrétien, il s'est fait là aussi presque naturellement sur Maché, où j'ai toujours senti moi une confiance très grande qui m'était donnée par les anciens. C'était eux qui étaient présents à l'église, hein. J'ai commencé d'abord en étant enfant de chœur, puis après on m'a demandé d'animer les chants, et puis après je me suis investi un peu plus au niveau de la paroisse, hein, à un échelon un petit peu au-dessus, et puis après au niveau diocésain, donc voilà. Les choses sont presque faites naturellement. En fait, quand j'ai été interpellé par mon curé d'alors, Olivier Bousseau, en 2013, il m'avait dit, il faut que je vienne chez toi avec Jean-Luc, on a quelque chose à te demander. Dans ma tête, tout était très clair. Ils venaient pour me parler de la fête de la paroisse. Et donc, ils arrivent et j'embraye directement sur la fête de la paroisse en disant je vais faire ci, je vais faire ça, ok, mais entre guillemets, je voulais régler le truc très vite, quoi. Et là, Olivier Bousseau me dit bon, on a pensé à toi, l'équipe d'interpellation au niveau de l'INÉ a pensé à toi pour devenir diacre. Alors là, par contre, c'était un bouleversement. Je ne savais pas comment je devais réagir. Voilà. Je me souviens juste qu'à ce moment-là, deux événements. J'étais en train d'essuyer un verre et j'ai cassé le verre dans les mains. Donc, je suis encore marqué par ce jour-là. Et puis aussi, je ne savais pas quoi faire et j'ai fermé la fenêtre. Et en fermant la fenêtre, j'ai eu tout de suite une image qui m'est venue en tête. C'était justement que des années avant, on va dire depuis le lycée, j'avais pensé à peut-être, pourquoi pas, devenir prêtre. J'avais fait partie de différents groupes de recherche au sein du diocèse. Je me rappelle entre autres un groupe un peu plus poussé avec le père Jacques Gomard. Et puis à chaque fois, en fait, à la fin, je butais en n'osant pas, quoi. À chaque fois, je me trouvais de superbes raisons. Au début, c'était je veux pas une voie de garage, donc je veux quand même terminer mes études. Après, il me faut quand même le concours pour être enseignant. Au cas où je ferais autre chose, j'aurais quand même ce concours. Après, c'est j'ai une maison, donc est-ce que je peux tout lâcher alors que j'ai une maison maintenant? Enfin, il y a toujours de bonnes excuses. Et là, je revois l'image, hein, ce jour-là de septembre 2013, j'ai fermé la fenêtre et j'ai vraiment eu l'image de me dire, voilà, Seigneur, j'ai tout fait pour te repousser, j'ai tout fait pour fermer des fenêtres ou des portes, et là, tu t'es passé par un endroit que je ne pensais pas, quoi. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé à l'époque, puisque je ne pensais pas du tout avoir le profil d'un candidat, quoi. Pour moi, je n'avais jamais pensé, par contre, au diaconat. Jamais, parce que à l'époque, j'étais quand même pas très vieux. En 2013, j'avais 31 ans. Un petit peu plus quand même, non, je sais plus. Enfin, légèrement au-dessus de 30 ans, j'étais célibataire, alors que pour moi, un diacre était forcément marié, et puis plus âgé, quoi, quand même autour de 40-45 ans, quoi, minimum, quoi. Il y a plusieurs défis, moi, tels que je les vois aujourd'hui. Ici, à Challans, je crois que le premier défi, c'est d'abord l'évangélisation. C'est-à-dire que je fais quand même une différence entre des jeunes que je peux rencontrer à l'ICES, hein, qui sont nés dans des familles chrétiennes, qui ont une culture chrétienne, qui ont envie de s'investir. Ça existe, c'est réel, et il faut qu'ils trouvent leur place. Hein, et on a les aider à trouver leur place. Hein. Et en même temps, moi, là, en milieu rural où je suis, je ne peux pas dire que je trouve beaucoup de jeunes qui ont envie forcément de s'investir. Je
trouve d'abord des jeunes qui ne connaissent pas le Christ. Donc je crois que le premier rôle peut-être, c'est d'abord l'évangélisation, quoi. Et derrière le mot évangélisation, c'est faire connaître le Christ. Il y a une chose qui m'énerve, c'est quand on parle de valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, je trouve ça par principe idiot. Une valeur, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. On parle de valeurs à la bourse, quoi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fixe. C'est d'abord pas donc parler de valeurs chrétiennes, mais d'abord leur parler du Christ. Vraiment. Comme quelqu'un de vivant sur qui on peut s'appuyer, avec qui on peut parler, quoi. Vraiment. Quelqu'un. Donc d'abord l'évangélisation. Et ensuite, après, je crois qu'on a un défi quand même de peut-être du dialogue. Alors quand tu disais que le diacre, c'est le ministère du seuil, le ministère du lien, eh bien là, il y a peut-être un dialogue à faire entre les générations, entre les jeunes et puis entre les plus anciens. Moi, je le vois au milieu de ma propre famille. Hein, on a des sensibilités différentes, mais on peut en parler de manière pacifiée, quoi. Je crois qu'il faut que les jeunes écoutent ce que les anciens ont à dire, sur ce qui les a fait, notamment ce qui les a fait vivre, ce qui les a fortifiés, ce qui les a construits dans la foi. Et puis après, dans l'autre sens, il faut comprendre que les défis des fois des jeunes ne sont pas les mêmes, quoi. Et je crois que c'est faisable, on le fait au sein des familles, quoi. Même si on n'est pas pareil, c'est pas pour ça qu'on s'entend pas, quoi. Donc ce qui est possible au sein d'une famille humaine est tout à fait possible au sein d'une famille spirituelle qu'est l'Église, quoi. Donc voilà, pour moi, deux grands axes. C'est le dialogue et l'évangélisation d'abord. Après, j'en verrai peut-être aussi un troisième, et là, c'est plus lié à mon expérience personnelle. Faire confiance aussi aux jeunes. Moi, je me rappelle, là, quand j'étais jeune, justement, j'ai vraiment ressenti ça, moi, dans ma petite paroisse, un mâché, est-ce qu'il y avait 200 personnes à la messe le dimanche? Je ne suis pas sûr, quoi. J'ai toujours ressenti une confiance, quoi. On m'a envoyé, mon premier envoi c'était celui-ci, hein, pour être animateur de chant, mais on n'a pas voulu me chapeauter, on m'a fait complètement confiance, quoi. Et puis après, intégrer les différents conseils, paroisse, etc., équipe pastorale, c'est pareil, j'ai toujours ressenti une confiance, alors qu'au départ, j'avais une quinzaine d'années, hein. Et ça s'est toujours fait de manière très pacifiée, hein. Il n'y a pas eu de lutte de pouvoir les uns contre les autres, quoi. Donc au sein de l'Église, c'est faisable.